Comparisons of New York and Paris are so common as to be a cliché. But like all clichés, there is something essential at stake. But how to get to the truth? That's what's at stake in the new book of graphic design by Varam Muratian, Paris vs. New York, A Tale of Two Cities. In the artist's words, it's a friendly visual match between two cities told by a lover of Paris wandering through New York. Details, clichés, contradictions, this way please. Canapé catches up with the creator on the ground in Paris and New York. On est dans un quartier qui s'appelle Belleville, qui a longtemps été considéré comme un quartier super populaire. La grenade, c'est un fruit qui symbolise un peu mes origines arméniennes. Moi, l'idée, c'était qu'on aille vers le parc de Belleville, qu'on monte tout en haut pour apprécier la vue de Paris. C'est Paris qu'on voit jamais, en fait, ici, je trouve. J'ai voulu essayer de comprendre pourquoi j'étais autant attiré par New York et pourquoi Paris me manquait quand j'étais à New York et inversement. Donc, comme une espèce de balance, j'ai essayé de jauger, de juger un peu les différences. C'était un peu cet amour pour New York que je voulais aussi déclarer à Paris et inversement. Après, c'est devenu quelque chose que beaucoup de gens se sont appropriés parce que apparemment, je n'étais pas le seul à ressentir ce manque des deux côtés. Et la question, c'est est-ce qu'il faut choisir ? Voilà. On est en haut du parc de Belleville. Donc si on regarde par là, on a une super belle vue. Quel angle de la ville j'ai envie d'aborder ? Est-ce que c'est aussi bien la verdure que d'urbanisation, que une petite mode passagère, que une habitude de vie. C'est un peu l'ADN des deux villes. On est sur la High Line, donc j'avais fait une image justement qui comparait la High Line à la Coulée Verte. Alors, c'est pas la Coulée Verte vraiment, c'est la promenade plantée à Paris. C'est un peu dans la mouvance green, on va dire. Donc on retourne dans les deux villes, justement. Il y a une force dans New York de vouloir se réinventer et d'aller très vite, de pas s'attarder. Donc on passe déjà à autre chose, déjà que c'est sorti, on passe déjà à autre chose et Paris est plus lente, quelque chose qui s'installe. Voilà, c'est aussi ce rapport-là, c'est-à-dire le côté éphémère, le côté langoureux et peut-être rattaché à une notion de relation aussi. C'est devenu un match amical et visuel. Comme ça, je l'ai appelé parce qu'il y a deux gagnants pour moi. Sur le papier, ça paraît simple. Il ne faut pas que ça ait l'air simpliste. Donc, il y a toujours quelque chose à trouver différent. Et quelque chose qui ne soit pas « lame », comme ils disent aux US. J'écris énormément de mots que je mets en association. Donc, les dessins sur le carnet de croquis sont... Ils sont tout simples déjà, c'est du travail vectoriel, donc ça reste très géométrique, mais il faut arriver à quelque chose de pur dans la ligne. C'est beaucoup d'aplats, des couleurs qui doivent aller ensemble pour moi, qui me semblent être justes par rapport au sujet, qui semblent être complètement à l'opposé du sujet pour le faire éclater. On organise une expo au Shop à The Standard, pour accueillir le book signing, donc la signature, la dédicace, la rencontre avec les gens qui m'ont suivi ici. C'est deux très bons exemples de villes bordéliques. Grisante, overwhelming comme ils disent ici, mais je trouve que justement il y a un côté jamais ennuyeux et tourbillonnesque qui donne énormément d'inspiration. Pendant ce travail, je ne me suis pas dit à une seule minute que ça allait amener tout ça en fait.
Et finalement, de là, en fait, du livre, ça me permet de peut-être pouvoir y aller plus souvent encore et travailler encore plus souvent avec New York. Donc c'est parfait, une boucle est bouclée, on va dire. Pas une ville préférée, j'ai plutôt un mode de vie préféré, et c'est celui-là, c'est-à-dire être dans les transports, parmi les gens. Je pense que j'aime observer, être constamment nourri. Et je peux trouver ça vraiment facilement ici. Mais aussi bien à Bombay qu'à Buenos Aires, et je rêve d'aller à Tokyo. Donc on verra pour la suite. I've got a trouble in mind. I've got a trouble.